Bonjour les enfants, bonjour les parents. Alors on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo autour d'un jeu mathématique qui s'appelle Plouf dans l'eau. C'est un jeu qui va permettre à votre enfant d'associer le nom des nombres et leur écriture chiffrée et également de coordonner le pointage et la récitation de la comptine numérique. Alors je vais vous montrer le matériel nécessaire et un exemple avec mes enfants. Alors pour ce jeu, vous allez avoir besoin d'une planche avec la suite des nombres. Alors j'ai mis celle-ci sur le Padlet que vous pouvez imprimer, vous pouvez aussi la reproduire ou la modifier selon l'âge et les connaissances de votre enfant. Pour un enfant de moyenne section, par exemple, on peut aller jusqu'à 10 ou 15. Pour un enfant de grande section, jusqu'à 30. Et même pour des enfants qui sont très à l'aise, on peut faire un chemin qui part de 20 et qui va jusqu'à 50, par exemple. Vous allez avoir besoin de petits jetons pour faire les nénuphars. Moi, j'ai découpé des ronds dans du papier vert. Et puis, un ou deux personnages. Moi, mes enfants ont choisi deux petites grenouilles, mais vous pouvez utiliser simplement un personnage puisqu'on joue chacun son tour. Alors Abby, pour commencer, tu vas mettre ta grenouille sur le ponton du départ et tu vas lui faire traverser la mare en passant par le chemin formé par les pierres et en disant à voix haute les nombres qui sont écrits dessus. Alors vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est bien. Allez, tu remets ta grenouille sur le départ et là, le jeu va commencer. Ellie, tu vas prendre 3 ou 4 nénuphars. On peut en prendre juste quelques-uns quand c'est la première fois. Alors maintenant, Abby, ta grenouille va à nouveau traverser la mare. Par contre, quand elle passe sur des nénuphars, il faudra dire le nombre dans ta tête. On ne doit pas l'entendre. Donc, quand elle passe sur les pierres blanches, tu dois le dire à voix haute comme tout à l'heure. Par contre, ici, tu le dis dans ta tête. Si tu te trompes, tu tombes dans l'eau et on te dira plouf dans l'eau. Si tu arrives sans te tromper, tu marqueras un point. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 17, 18, 19, 20. Bravo! Tu marques un point. Allez, tu remets la grenouille. Tu rajoutes, voilà, tu peux les changer de place et tu peux en rajouter parce qu'Eli est plus grand. Allez, à toi, Eli. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17. Plouf! Dans l'eau. Dans l'eau. Et oui, Ellie, tu es allée trop vite. Il ne fallait pas dire le 17. C'est sur un nénuphar. Alors maintenant, je vous dis à bientôt les enfants et à vous de jouer.